Eh bien, salut les enflammés, c'est Lisa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 d'Assassin's Creed Mirage. Donc, la dernière fois, on s'était laissé au début de la séquence 3. Donc, là, on va commencer les missions qu'on a à faire dans cette séquence. Donc, là, les trois missions qu'on doit faire est tout simplement d'aller voir les trois guildes du peuple de la région pour pouvoir avoir de leur soutien au niveau de nos quêtes qu'on va faire bien plus tard dans la série. Ainsi que pour échapper aux gardes et ainsi de suite. Donc, on va commencer par aller voir. Je sais quelle est la plus près. Donc, elles sont à peu près à distance égale, je pense, mais on va aller à celle-là. Donc, encore une fois, je le rappelle, cet épisode a été tourné à la suite de l'épisode 5. Donc, j'aurai vos retours seulement sur cet épisode-là. Donc, par rapport au fait que je vous avais demandé à l'épisode 5 si vous vouliez que je lise les petites anecdotes qui est mise sur, sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, de l'écran lorsque on traverse par exemple un bâtiment tel que le Colisée ou autre, si vous voulez que je les lise ou si vous voulez que je l'ignore, que je continue à faire ma partie sans les lire. Donc tout ce qui est récupération des quartiers, on fera ça plus tard. Pour le moment, j'ai pas une protection assez intéressante et des armes intéressantes pour pouvoir faire ce genre de choses. Même si la récupération des quartiers pour pouvoir justement racheter les commerçants et les bâtiments en ruine plus restaurés serait important pour gagner plus de bénéfices niveau argent. Mais il va falloir attendre. Donc on arrive au niveau de notre première. Ici c'est mon territoire. Tu vas respecter certaines règles. Mes règles. Sois le bienvenu à la rose fleurie, étranger. Salve. Auriez-vous l'obligeance d'appeler la maîtresse des lieux? Madonna Solari s'est absentée. Et quand reviendra-t-elle? Je... Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Oh, Lucia! Nous pensions que tu étais morte! Ils nous ont emmenés sur un bateau! Ils m'ont relâchée, mais elle... Qui vous a emmené? Des marchands d'esclaves, Messere! Près de l'île Tibérine! Ils exigent une rançon ou ils la tueront! Je vais vous la ramener. Apporter l'argent exigé par pour la libération de la tenancière de la Rose Fleurie, prisonnière des esclavagistes. Donc je dois amasser 2500, donc ça va, j'ai déjà pas mal d'argent. On va faire au niveau des gens, ça va être vite récupéré. Voilà, le seul souci, c'est que quand on voit les citoyens, des fois, ils veulent nous attaquer. Il suffit de faire ça, et calme. On va éviter de s'en prendre aux gars. Donc j'ai amassé ce qu'il me faut, maintenant faut que je vais aller rencontrer les esclavagistes.
payer la rançon. Arrête tout de suite. Aurait-il perdu la raison? Les projets du pape. Hey, vous avez perdu la tête? Salut, Athènes! Hey, à quoi vous jouez? Vous voulez m'ruiner? Doucement! J'ai envie de. T'es venu pour cette traînée? Are you that, Amy? J'ai ton argent. Libère-la! Non! Adresse-toi à Cesare! Donc faut voter à la route. Huh? Just
poste. Hop là. Qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Je n'en t'aime, idiot. T'aimeras un avocat. Parfois, je me dis... Mère? Claudia? Ezio, Ser Machiavelli a dit que nous te trouverions ici. Pourquoi êtes-vous à Rome? Est-ce que Florence est assiégée? Non, en fait, je n'en sais rien. Nous ne sommes pas allés à Florence. Pourquoi? Ezio, nous voulons t'aider. Vous m'auriez rendu service en allant à Florence. Où est Madonna Solari? Elle est morte. Merda. Mais que faire? Est-ce que nous allons fermer? Certainement pas. J'ai besoin de vous. Messere, si personne ne gère nos affaires, c'est inévitable. Je vais le faire. Ta place n'est pas ici, Claudia. Je sais comment gérer une affaire. J'ai aidé Mario pendant des années. Ça n'a rien à voir. Quelle alternative se présente à toi, Ezio? Si tu fais ça, Claudia, tu te débrouilleras seule. Cela fait plus de 20 ans que je me débrouille seule. Soit. Je compte rénover l'établissement. Son état est déplorable. Et je veux que tes courtisanes trouvent Caterina Sforza. Nous ferons le nécessaire. Grazie. A bientôt, j'espère. Bienvenue à la Rose Fleurie. Comme tu peux le voir, c'est devenu l'endroit le plus populaire de Rome. Mon investissement a été rentable. Voici la liste de ce que nous enseignons à nos pensionnaires. Tu ne leur apprends pas grand-chose. Tu penses pouvoir mieux faire? Nessun problema. Ezio, chaque jour, les Borgia persécutent les filles de Claudia. J'ai plusieurs missions à te confier qui pourraient sûrement les aider. Je tâcherai de m'en souvenir. Autre chose? Non. Ezio. As-tu trouvé Caterina? Nous la cherchons toujours. Bene. Retrouve-moi sur l'île Tibérine dès que tu l'auras localisée. Donc, nous venons de faire la guilde des courtisanes, on va s'occuper d'une autre guilde. Donc je sais pas laquelle est la plus intéressante à faire. Donc vous voyez, ça c'est toutes les tanières que nous devrons faire. Donc les tanières de Romulus, pour pouvoir justement obtenir les clés qu'on a obtenues dans le dernier épisode. Qui vont nous permettre d'avoir une tenue. Donc on les fera. Donc pour le moment je vais faire ma prochaine mission là. Et si je pense que la prochaine fois, vu qu'on n'aura pas le temps de le faire à cet épisode-là, à l'épisode 7, on le fera. Et
Vai! Aspetta. Ça prendra le temps qu'il faudra. Bon diable! Oui, alors qu'il était en déplacement. Le fait que Donna Lucrezia ait été chargée de veiller sur ses soins. Vai! Voilà. Je reviens à une autre vie. Je reviens à la porte. Pas relié, hein. Celui-là était pas trop compliqué. Alors lui, il est complètement bugué dans le toit. Ezio. La Volpe, je suis surpris de te voir. Et que me vaut l'honneur de ta visite, dis-moi.
Attends, je connais la réponse. Comme toujours. Je dirais que tu as besoin de mes espions. Tu dois m'aider. Aider Machiavelli ? Sans façon. Cet homme n'est bon qu'à trahir notre ordre. Une sérieuse allégation venant d'un voleur. Tu as des preuves ? Il a été ambassadeur à la cour du pape. Il a voyagé en tant qu'invité personnel de Cesare. Je sais aussi qu'il t'a abandonné juste avant l'attaque de la villa. Machiavelli n'a pas que des qualités, mais c'est un assassin. Pas un traître. Je suis loin d'en être convaincu. Ah, il retrouve quelqu'un dans le Trastevere en ce moment même. Voudrais-tu m'y accompagner ? Je te suis. Avec la Volpe, espionné Machiavelli et convaincu. Oui, convaincu ce dernier à rejoindre la confrérie. Mais comment ? Que pouvons-nous faire ? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Ils vont lui tirer dessus. Je me charge de cela. Occupe-toi des autres. Vite, les gardes vont te voir. Aidez-moi. Ils vont me tuer. Observe-moi. Fais comme moi. Suivez-moi. Ha ha ha!
la mort de papa, c'est de plus en plus dur. Au train où vont les choses, je vais sûrement perdre ma maison. Personne ne travaille, personne n'a d'argent. Viens avec moi. Claudio. Molte grazie, messere. Fais-toi oublier quelque temps. Intensi. Les gardes te recherchent. J'ai vu leurs affiches sur les murs. Tu dois les arracher. Et acheter le silence des crieurs publics pour quelques florins. Je peux aussi supprimer tous les témoins. Je vois que tu sais te faire oublier. De nombreux... pas... Laissez-moi partir. Je n'ai rien fait de mal. On peut dire que la nuit a été agitée. Volpe, écoute-moi. Je sais ce que tu as vu. Mais tu n'as rien à craindre de Machiavelli. Je te le garantis. C'est grâce à ton courage si Claudio est en vie. Si tu es convaincu que Machiavelli nous est resté loyal, je te crois. Bien. Et tes voleurs ? Nous pensions rénover ce vieux bâtiment, mais maintenant que nous sommes associés, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Si nous voulons berner les hommes des Borgia, camouflons-le en taverne. Ouais. Ton idée me plaît. Dans ce cas, je m'en occupe. Arche. J'ai vu une arche. Mais où est-ce que... Je vais la mettre. Entre, Ezio. Sois le bienvenu au renard assoupi. Cette auberge est parfaite. Personne ne se doutera de ce qu'il y a derrière ces murs. Le quartier général de la guilde. Tu peux me rendre visite à tout moment. Il est même possible que je te confie des missions qui aideront à faire avancer notre cause. Je vois que même les voleurs sont en compétition. Rien ne t'empêche de tenter ta chance. Qui sait, tu as peut-être des choses à leur apprendre. Ah oui, j'oubliais. Les jeux d'argent. Une source conséquente de revenus, toujours alimentée par la grande malchance des gardes des Borgia. Encore une faveur. Je veux que tes espions trouvent la pomme. Elle n'est plus en ma possession. J'ai demandé à mes hommes de ratisser la ville. Molto bene. Rejoins-moi sur l'île Tibérine quand ce sera fait. Entendu. Donc, nous avons fait deux des quêtes sur les trois
par rapport au, au clan, quoi. Pas au clan. Aux personnes qui vont nous aider. Donc on a fait les voleurs et les courtisanes. Donc pour le moment, il nous reste encore les mercenaires à faire, mais on va le faire pour la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Le lien de mon Discord est dans la description si vous souhaitez le rejoindre, ainsi que le lien de mon Snapchat, de mon Instagram et de mon Twitter si vous voulez me suivre dessus. Et sur ce, c'est Pony Spam. Bye bye tout le monde.